Madame, Monsieur la famille, tout un ami, frère, accès, compatriote, moyen, tout un collaborateur qui est connecté dans tout partout dans le monde. Là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Dans mes croix, c'est toujours amis, nous, collaborateurs, nous. Merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous tous gagnons pour l'autre. Toute équipe là à la Ronde Badet, nous comptons rentrer la caillou. Permettez-moi de remercier, m'a saluer et remercier tous les amis qui permettent le travail là possible. Merci ou choisir nous pour capable informer ou merci pour fidélité ou ak patience ou. Et si c'est pour la première fois ou tomber sur channel ça, m'a souhaité ou bienvenue sur mes travail qu'a fait là. Pas hésiter à abonner, activer cloche notification pour savoir toujours été informé. Jeudi à ce mardi, n'a vive mardi 14 mars, m'espérer que nous tous nous t'es bien dormi, nous t'es passé une très bonne nuit en bas protection. Bon Dieu la vie à Zansetio à tout nos changuinéo. Et bien toute équipe là, nous côté rentrer la caillou, nous pourrons partager avec le journal créole Méga Matin. Je nous tout nous connaissons Méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien qui est sous la Tébéni. Avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. 5h du matin, démarrer journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ça qui va passer dans la province, dans toute votre prise, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité, son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous baillons plus d'informations de tout l'autre côté. Studio Pétionville. Nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Deuxième sortie journal Méga Matin, c'est Kounia, jeudi, c'est mardi 14 mars 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde, toujours avec même plaisir, même fougla, même détermination. Pour nous porter dans le journal Méga Matin sur Terre, Radio Méga qui c'est plus gros réseau, Radio Haïtien dans le monde. Bonjour, bonsoir avec différents collaborateurs qui ont fait un travail technique aux États-Unis qui permettent de nous donner le journal sur 1700 AM. Bonjour, bonsoir avec Marcel Joseph, lui-même qui a fait travail en Haïti. Bonjour, bonsoir Jean-Willer Sévère. Bon la journée mardi, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça veut dire qu'on a bien développé dans le journal là pour matin, mardi, ici là. Tension a toujours été roue dans un cabaret, c'est tout dans Titanien. Aïe, lundi 13 mars, là, bas, a presque fait toute journée à Criseo, qui t'a essayé empêcher d'attaquer prison femme dans le cabaret. Dans la même journée, ça, messieurs Titanien, boule rapide, caille policier Miggins, charité, groupe à message qui s'est policier 22e promotion comme qualité caché agent qui était victime attaque na blende dimanche 12 mars à la caille. N'a pas mon vidéo avec plus détail sur dossier ça avec correspondant permanent nous à caille qui c'est Pascal Fleuristil, ministre planification à coopération externe Rica Pierre a renouvelé demande au gouvernement pour genou appui international pour traquer gagne sinon pays à soute pour tomber dans génocide Rwanda. Un sénateur qui se participer dans au sommet qui t'a fait dans pays Qatar d'il t'est porté de l'alliance ça devant participants yo dans quatre activités si là pendant autorité pas bon ici tu as ton intervention militaire pour le ministre canadien quoi c'est élite paysan qui pour continuer pour sanction pour empêcher continuer financer gang yo. Justin Trudeau rappelé Ottawa déjà sanctionné 17 les encourager pays États-Unis avec la France à suivre même chimère. La police nationale la ville Saint-Marc a annoncé arrestation 5 individus parmi eux deux sœurs qui servit comme antenne pour bandit ça vient yo. Dans la commune Liancourt, département de la Tibonite, en Pédaïti, messieurs, dames, ça y est, complice dans la mort 6 policiers qui étaient tombés en babal dans la zone ça, dans la date qui était 25 janvier 2023 passé. Syndicat national policier a essayé d'attirer l'attention de la direction générale PNH à son comportement ministère finance qui refusait payer policiers à l'air. Jusqu'à présent, agent n'a pas touché le mois février selon Lionel Lazare. Il y a un gros défi éclaté à Yann Diana, quand Toto, dans le carré 2, plusieurs dizaines de cas est passé en bas, gros défi, pourquoi il n'y a aucun détail sur l'origine.
vin indiqué ça. Sur initiative délégué départemental Sidla, Joseph Esteville, yon go rencontre déroulé avec différentes autorités locales Sid ak Gadas, Tankou Kazek ak directeur départemental environnement Sid ak Gadas là pour réfléchir sur pour contrôler comment capable contrôler sous contrôler diffé dans pas Makaya. Après rencontre ça autorité adopté plusieurs résolutions Tankou remobiliser agent forestier yo pour éteindre diffé ça qui touchait déjà 17 habitations 4 sections au communal. Syndical personnel policier l'hôpital général fait qu'on n'ait pas espéré trop de bagages pour ce concernant nouveau directeur exécutif qui revient à tête l'hôpital là, docteur Jude Milsé, revient à plus mauvais moment l'hôpital là, côté pas de matériel, pas de personnel, médecin service qui pas jamais vint travailler pendant chaque qui a sorti, c'est un véritable gagouette dans le plus gros centre hospitalier payant d'après Evelyne Frémont. Point ça, il y a divers autres qui ont fait ceci, le cas de deuxième paraître journal. La méga maté sur l'hôtel de Radio Méga au matin mardi qui c'est 14 mars 2023. Mais pas oublier ça, nous avons l'ouvrir journal là avec un rubrique traversé. Nous voyons qu'on est ce que nous qui a traversé dans beau parti dans la région métropolitaine Port-au-Prince pour matin mardi si là. Nous avons pour nous porter pour rubrique capsule santé. Nous prenons le matin qui marche collaborateur nous Abdias Aristide amené nous et nous prenons tout combien goût n'a besoin pour dollars américains selon BRH et nous fait journal la net c'est prêt. Rubrique météo avec un collaborateur nos gens Willer Sévère. Restez là, pas tout monter bouton radio ou sur Radio Méga. On va suivre Journal Créole Pays, Journal Méga Maté. J'ai deux jeudi là. Le Journal Méga Maté, c'est nouvelle Lombay. Il a retourné dans quelques secondes. Notre site journal, la police nationale d'Haïti, dans la ville Saint-Marc, département de la Tibonite d'Haïti, posait la patte sous cinq présumés indi bandits qui, eux-mêmes, selon l'autorité, qui t'a gagné rapport, qui t'a gagné cocodaille, relation avec base Grand Crif. La police dans la ville Saint-Marc qui t'a accompagné avec un paquet juridiction, ça a arrêté bien cinq individus dans zone poterie, une localité qui trouvait dans la commune Liancourt et commune Liancourt qui est dans le département de la Tibonite. Pays d'Haïti. Selon ça, la police nationale d'Haïti avec autorité judiciaire a fait qu'on est là. Mounsayo a gagné un rapport avec groupe gang base Grand Griff qui Luxon Elan a dirigé. Comment Mounsayo est la police qui cite Noyo, gon certain de Mario Joseph, alias Pape, alias Pouchon. Alors, l'un dit Mario Joseph, c'est pas Mario Joseph responsable IAIA pour ne pas penser c'est lui-même. C'est Mario Joseph, alias Pouchon, gagné Jefferson Saintus, gain deux sœurs, une les Bervelli ak Imelda Servius et puis gain ténor Céus, ces cinq individus ça bon me prendre pour nous encore Mario Joseph alias Pouchon, Jefferson Saintus, gain deux sœurs, une les Bervelli ak Imelda Servius et ténor Céus. Mounsayo selon ça qui dit bon côté force l'audio, yota joué rôle antenne, ça veut dire servi comme antenne. À chaque fois la police va mener opération dans différentes localités en dedans comme les Liancourt, il y a déjà là soit dans espace côté OEA pour déjà alerter les bandits, mettre au courant pour yo soit jeter mais pour guetter arranger. D'après ça la police nationale d'Haïti fait qu'on est. Quant à pour Mario Joseph alias Pouchon, la police nationale d'Haïti fait qu'on est que tout ça lui-même, l'état gagné sans les présumées implications, l'histoire qui t'a gagné mal trempé dans touyer six policiers dans Liancouyo, dans la date qui était mercredi 25 janvier 2023 passé. D'après ça qui dit bon côté, maître Vincent François, qui c'est chef parquet ville Saint-Marc. D'après ça qui dit bon côté, maître Vincent François, le fait qu'on est, mais c'est qu'a présumé Andy Bandi Sayo, Poukounia, yo placé dans garde à vue, y'a répondre question autorité judiciaire à autorité et policière. Était question et sécurité gain yon jeune toujours avec la police qui a posé action gain la police qui abat yon jeune garçon lundi 13 mars à Delma 75 jusqu'à maintenant identité jeune homme Sapoko révélé d'après la police c'était un braqueur à Jeff Oslo Dio tué par balle hier après-midi yon individu
individus dans Delma 75 jusqu'à maintenant pour qu'on nous lit. Fausse l'audio passé à l'action. Bon, 6 heures dans une zone qui dénommée Catalpa, plus précisément, il passe à Violette. Sur l'information, individus, ça a été apamisé, le braqué monde qui a fréquenté zone, aller avec téléphone, toute sa joine. Ben, jusqu'à 7 heures, cadavre était toujours sur les lieux selon l'information. N'apprendre que la tour gagne mon zone Cafou du plan qui levé joigne de mon qui mourir mais qui boule yo pas gain identité de mon sayo levé joigne yo qui mourir mais qui gain qui boule net hier lundi qui était 13 mars 2023 dans zone Cafou du plan qui trouvait dans commune Pétionville habitant dans zone qui est pas gain information sous compte pour qu'on est qui est mon sayo identité mon sayo et selon ça yo fait qu'on est là d'après et Andy habitait dans zone mais au fait qu'on c'est pas première fois tout il y a levé il y a joine Andy moun qui mouri dans espace sa yo et ça fait yo mandé avec autorité policière autorité concernée yo pour dégager ou mettre Jean-Jacques pour établir la paix dans zone Cafou du plan une localité qui trouvait dans commune Pétionville parce que c'est souvent il moun dans zone là habitait dans zone a levé il y a joine cadavre moun soit qui pas moun yo même connaît qui côté sorti soit des moun yo vin lagué yo vin jeter dans espace si là c'est ça que fait il y a été parlé de deux monde ça levé au jeune qui est mort là boule tout dans zone Cafou du plan hier lundi 13 mars 2023 Jean Dian yo mandé avec force l'audio pour prendre toute disposition pour permettre que une situation ça pour pas arriver pédé répéter dans espace si là Jean non t'ai annoncé pendant que n'a gardé situation comment ça en matière d'information à criminalité nous prêt garder tout avec collaborateur nous Claude Naïde Antoine comment ça y est n'entrer dans capitale pays puisque traverser à l'île est complètement difficile chaque jour qui passait. Formation ça sous un kidnapping qui passe suspend fait chaque jour. Piplis gagné un emploi institut bien-être social qui kidnappé pas trop loin par les nationales. Individu à Gozamlo kidnappé un emploi institut bien-être social pas trop loin par les nationales. Zach ça fait vendredi 10 mars là pendant Jean Smith Cadet a conduit machine institution. Jean Smith Cadet qui a travaillé comme chauffeur institut bien-être social à recherche dans le moment enlèvement l'étape pilotée tout talent cousin blanc instituant d'après plusieurs sources ravisseurs qui déjà établi contact avec un parent victime n'a yo exigé une forte somme en échange libération là, toujours d'après contact on a appelé gain presque une dizaine cas enlèvement qui fait pendant week-end qui sont passé on a toujours été dans la question Zach kidnapping on a venir avec Zach kidnapping qui fait sous révérend Père Jean-Yves Métidor, qui est même dans la congrégation Saint-Viateur, individu avec Gouzamlou, nommé au kidnappé, et Père Révérend Père Jean-Yves Métidor, qui est fait partie congrégation des clercs de Saint-Viateur, samedi 11 mars 2023, dans Croix des Bouquets, selon l'information qui est confirmée par Andy, responsable dans la congrégation Silla, et Révérend Père Jean-Yves Métidor, qui est fait partie congrégation clercs de Saint-Viateur, Badi kidnappé là avec un gros amnou nan men yo nan da kite samedi 11 mars 2023 nan 7h nan matin, l'était 7h nan matin les que Andy père Jean-Yves Métidor tapité résidence Alphonse Morin qui trouvait là dans zone Croix des Bouquets mais côté c'est là Andy père Yves Jean-Yves Métidor lui-même que les gain affectation c'est là que ça s'est lié dans espace si là dans congrégation ça que nèg exam t'étant une embuscade pour l'été paré attendre lui ça c'est dans périmètre aux alentours Andy espace si là une fois que père tape sorti fin sorti quitter barrière pour aller pour dire pour les mêmes qui étaient espace là mais gardien qui les mêmes tap suivre scène là t'es gardé on qui banek exam on tap suivre alors qui tap suivre alors qui banek cagoulé qui tap suivre père Jean-Yves Métidor et après ça que ben indication fait qu'on est là par rapport avec question qui tap suivre et paya yo fini par poser la patte sous père et Jean-Yves Métidor ben nèg yo monter machine pa yo avec paya yo reprend direction repasser bon côté local
l'hôpital congrégation côté PAT sorti, yo aller ensemble avec yo dans espace yo. Mais information ça qui est arrivé joindre responsable dans congrégation des clercs Saint-Viateur, yo même ça qui choqué en pile et dans ça yo mandé avec surtout mais yo mandé qu'on coupe prier mon bureau CHR là pour prier pour libération révérend père Jean-Yves Métidor à cap pour Haïti capable libéré pour qu'il sorti en bas griffe un dit criminel bandit ça qui je dis à café sans couler dans pays et qui apprend plus pauvre famille haïtienne chaque fois qu'il kidnappe un proche on demandé gros somme l'argent que moun pas jamais ka gagner moun te mette fait combien années que pas jamais rassembler mais pour sauver la vie moun yo ba di yo prend plaisir demandé gros somme l'argent les yo kidnappé moun yo dans ça congrégation des clercs de Saint-Viateur exiger libération révérend un père Jean-Yves Métidor que bandit kidnappé samedi qui était exactement 11 mars 2023, non, Croix des Bouquets, n'avancez avec question ça, puisque c'est pas jeudi, hein, c'est parce que chaque jour, août, des actes criminalité, yo, y a produit dans la société haïtienne, non. Nous pourrons venir avec information consacrée pour avec réaction qu'a faite à sa cap dit bon côté autorité dans le pays Canada, sous question éventuelle, force internationale, ça, puisque nous te connaît depuis la fois passée, gagné chef état-major au pays Canada, n'a pas les déroulés, Eire qui était déjà dit pays Canada pas gain assez capable capacité pour qu'il t'amène en dit yon force étrangère en Haïti pour t'amener leadership ça mais gay premier ministre pays Canada Justin Trudeau lui-même là qui lançait un appel by États-Unis ensemble avec un dit pays qui eux-mêmes t'a fait partie communauté internationale là qui compte souvent accompagner Haïti mais pour que ensemble pour yo agir non continuer sanctionner de monde qui dans connivence avec deux nègres armés soit de monde dans classe politique ou bien de monde dans classe économique là. Premier ministre Justin Trudeau lui-même fait qu'on est que il lance appel à ben autorité dans pays États-Unis pays en Europe yo, qui yo de même dégager comme Jean-Jacques pour y aura possible avec ces sanctions qui apprend contre ensemble de monde qui a rapport avec bandit. Pour moi-même meilleure façon que nous carré fait stabilité pour Haïti n'a cité Justin Trudeau d'abord c'est sanctionner élite là de monde qui a rapport avec un groupe armé yo, qui je dis à la cap financer gang armée qui rend que je dis en Gessanele instabilité politique en un pays. C'est ça qui dit non cadre en dit par intervention ça que Justin Trudeau lui-même fait pendant que l'ITAP chita parlé avec une assemblée publique qui t'a fait dans quartier Saint-Michel dans Montréal. Mais membre auditoire là qui t'a posé question sur question situation ça, mais lui fait qu'on est que je dis à Yotkep préoccupé avec question diaspora haïtienne non, écoutez en pile haïtien vivent dans localité si là. Justin Trudeau rappelait que il y a déjà sanctionné pays le Canada sanctionné déjà 17 moun alors la donne des plusieurs anciens politiciens gay de acteurs économiques qui y a dit là qui a financé de nec armé en un pays. Nous pourrons inviter entendre premier ministre Canada Justin Trudeau pour plus de détails lui-même dans le cadre en dit rencontre que le gars avec assemblée ça côté il t'a parlé sur divers sujets mais principalement t'es mis accent sur situation Haïti côté t'es gagné présence de monde dans la diaspora dans le pays Canada qui était présent dans le cadre rencontre Silla. On écoute premier ministre du pays Canada Justin Trudeau pour plus de détails. Je pense que la clé des choses, c'est de comprendre tout d'abord une des racines du problème. Il y a une dizaine de familles élites en Haïti qui contrôlent tout. La politique, les gangs, la situation de sécurité, les infrastructures commerciaux, l'économie haïtienne. Et ces gens-là sont bien protégés dans leur château, disons, sans avoir à se préoccuper de la misère qu'est en train de vivre le peuple haïtien ces jours-ci. Et l'influence de ces familles-là dans la vie politique d'Haïti, les débats politiques et le manque d'investissement réel et de structure réelle pour les institutions haïtiennes qui desservent le peuple haïtien fait que si on ne crée pas une stabilité qui vient de l'interne, une stabilité externe, coloniale, néocoloniale, ne pourra jamais y arriver.
Alors, nous, on a pris deux approches en tant que Canada. Il y a beaucoup de différents pays qui sont impliqués, mais le Canada a un rôle à jouer important. J'étais d'ailleurs aux Caraïbes pour rencontrer les leaders du CARICOM il y a quelques semaines pour encourager des partenaires régionaux de faire leur partie aussi, parce que ça ne peut pas juste être des pays comme le Canada, les États-Unis, la France à intervenir. Ça devrait être des voisins aussi. Mais intervenir comment? Tout d'abord, il faut démontrer à la classe politique et aux élites économiques que ça ne marche plus comment ils le font. Et pour ça, les sanctions qu'on a amenées, le Canada est rendu à 17 sanctions, les États-Unis ont commencé à faire plus de sanctions, on a besoin qu'ils en fassent beaucoup plus. On a besoin que l'Europe, que la France en fasse plus, on a besoin que des pays autour en face aussi pour que cette élite commence à comprendre qu'ils ne peuvent pas se cacher ou cacher leur argent ou leur propriété ailleurs. Ils ont une responsabilité de créer un peu de stabilité en Haïti. Et voilà, ça c'est Premier ministre pays Canada Justin Trudeau, il a intervenu dans la langue normale français, mais pour le monde capteur des journaux, là, bon, regardez si je vais mettre accent sur quelques séquences pour que nous comprenions bien. Mais d'abord, dans la première partie intervention Justin Trudeau, il fait qu'on ait gagné une dizaine de familles en Haïti qui contrôlaient, on dit presque richesse pays. Il y en a presque en pile secteur dans le pays. Une dizaine de familles. Il y en a question économie, il y en a question route, il y en a en pile secteur dans le pays. Ça. Et 10 familles ça y a, presque dizaine de familles ça y a, c'est comme le chita dans le château royal, vous comprenez? Ça dit tout bagarre en forme, c'est des protégés en eux-mêmes. Ça veut dire que si tu as ce cas passé en dans le pays, là, pas intéressé, parce que eux-mêmes, ils sont confortables pour toi. Avancé pour dire que, eh bien, ensemble de monde ça y a, ils ont joué profiter d'influence qui ont gagné soit influence politique ou bien économique pour que yo mettez de situations difficiles dans le pays. Li avancé pour le dire que dans l'intervention que pour nous pour le parler toujours pour le dire que j'ai dit tout à l'heure pays Canada lui-même déjà prend et sanctions contre 17 acteurs politiques et économiques qui yo même j'ai dit là qui gagnent en jouer sur influence moyen yo pour que yo financer de nek armée en de ghetto à Jodian qui rendent que Haïti a vu une situation difficile, ça. D'abord, li félicité pays États-Unis, même j'avais qui commençait à prendre ensemble de sanctions, mais elle demandait avec un dit États-Unis pour le rap possible avec série sanctions qu'elle commençait à prendre. Yo. De même pour la France et le pays tout même qui dit que vous voulez aider Haïti par rapport avec la situation qu'Haïti a prenait jeudi. Hein. Mais elle demandait tout, lui rappelait que la fois dernière, rencontre dans CARICOM, il y a deux pays qui ça c'est plus proche Haïti là, qui annonçait que, mais vous devez garder comment que vous aider Haïti tout, non, maté, et ça qui vient là comme problème. Non. C'est ça que fait quoi que je dis. Il y a même bon côté dans le pays Canada. Il y a quoi que faut un bien ensemble de pays international, pays qui dit aux ses amis Haïti. Faut autorité tout pas ici tout, mais permettre que gagner stabilité qui établit dans le pays pour que la vie qu'apprend normalement, pour que toute activité qui a fonctionné normalement pendant que quoi que je dis en situation encore faut Haïti au conscient, faut autorité au conscient pour que les sorties dans le matériau d'abord. C'est en gros que n'est capable dit de intervention Justin Trudeau à lui-même puisque j'en ai dit, hein, il a fait intervention en français que dès que tu as rencontré ils ont assemblé dans localité dans le pays Canada, mais la grande toute est présence haïtienne dans diaspora dans le pays et Canada. On continue avec information gain ministère planification coopération externe Ricard Pierre qui cassé tête tourné dans le pays hier lundi 13 mars là pour le saut participer dans sommet pays moins avancé dans le pays ça sorti 3 pour arriver 10 mars passé dans le pays Qatar. Objectif sommet ça c'est pour charger et chercher moyen pour aider pays ça qui a fait face avec un ensemble problème tant qu'au environnement grand coin sécurité et la trier ministère Ricard Pierre fait connait représentant pays ou représentant organisation qui était présent pour engagement pour accompagner population car monde saillot en côté Ricard Pierre pour plus de détails. Donc objectif et contre saillot dernière là t'es faite dans le pays la Turquie dans Istanbul et puis ça c'est pour garder comment combler vide déficit qui gagne dans effort développement pays saillot en quoi Haïti pays saillot au nombre de 46 gagne donc un ensemble de décisions que Nations Unies prend comment porter pays qui développé yo à aider pays sa yo qui sous-développé yo parce que pays sa yo a subi conséquences de dégradation environnement
alors que c'est pas pays ça qui produit plus bagaille qui pollue l'environnement, c'est gros pays yo. Et les regardez 46 pays ça yo, yo produit seulement 4% déchets qui détruit l'environnement, alors que c'est eux même qui subit plus, qui ont ouais manifestation dégradation cyclone qui a fait tout tremblement de terre, la pluie qui pas tombé, longue sécheresse, les gain la pluie inondation parce que bon dérèglement dans la nature, là, on a des règlements dans l'environnement. Donc, il y a des pressions, des efforts que les Nations Unies ont fait pour faire en sorte que les gros pays qui sont responsables de toute déréglementation, ça qui gagne dans le climat, dans l'environnement, capables de mettre des fonds à disposition 46 pays. Il y a un engagement gros pays pour 100 milliards de dollars. Pour dédommager ces pays qui sont victimes de modèle intempérie. Jusqu'à présent, promesse ça pas qu'un B. Il y a des promesses qui te prennent 10, 11 ans de cela dans Istanbul. Pour vos pays aider les pays sahéliens, les pays sous-développés, combler les fossés qui gagnent dans le développement. Mais malgré tout, réalisation pour monsieur était très 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 peu et en pile pays exprimé le don Haïti nous dit nous pas d'arrêter que Doha sont ensemble de promesses qu'elle fait encore alors que pays qui a fait pour monsieur pays donateur pays polluant yo yo pas qu'un des promesses dans pays Qatar côté conférence centrale faite là Émir Hollande qui est président pays lui-même il entend répondre lui dit la baisse 60 millions de dollars pour aider dans le développement du pays, au développement du pays, dont Haïti. Donc voilà ce que nous avons fait dans Qatar, c'est à plaider cause Haïti, à expliquer la situation Haïti, montrer le déficit que nous gagnons dans tout niveau dans le développement du pays, nous, et comment pour les Nations Unies capable d'aider nous combler les fossés que nous gagnons, particulièrement en mettant la pression sur. Ministre planification et capillarité profiter occasion pour renouveler demande d'assistance intervention militaire dans le pays. Il y a l'idée pour mater phénomène de sécurité population à vivre dernier jour ça yo pour le faire connaître gouvernement pas